On est ici à Issingeau avec Monsieur Kopp, conseiller délégué à la sécurité. De quoi s'agit-il exactement ? Alors effectivement, on est parti du principe que des remontées que plusieurs véhicules poids lourds étaient en infraction sur l'accès cœur de ville, puisque plusieurs rues interdisent l'accès aux 19 tonnes et aux 3 tonnes 5, avec quelques dégradations sur certaines rues. Donc du coup, l'idée avec la gendarmerie, c'était de mutualiser un contrôle pour déjà vérifier quelles étaient la fréquence de ces entrées de camions sur le cœur de ville et, le cas échéant, verbaliser pour les gens qui auraient délibérément franchi l'infraction et pénétré dans les zones qui sont interdites. Et quels sont les premiers retours ? Alors, quelques camions qui rentrent sur le cœur de ville, pour certains qui sont guidés par leur GPS et qui, effectivement, ont plus les yeux rivés sur le GPS que sur les panneaux d'interdiction.